The beginning of the story was, for me, I was invited in Paris in September 13, 2010, and it was the last day of working for me. And coincidence, it was also the last day of working of the president of the association, and this association was a very curious one. It is the association of the former secret service in France working about cryptography. So I was there to give a talk, and they asked me to be very, very provocative. Okay, so my point was, okay, I will give a talk about everything is broken, what to do? It was in French. Here is a slide. So it's why I use the same for today, except the title. And the RSA, so it is the main cryptographic software in use today on internet, sera-t-il notre Titanic, le futur de la cryptologie? And I wanted to be very provocative, and I did a success. Why? Because just before my talk, there was another talk, and the other talk was given by the technical director of the DGSE. Is the equivalent of the CIA in France. And it was very curious. The talk just before mine was very curious because, in fact, Bernard Barbier said everything we know today thanks to Snowden, more or less, except that it was in September 2010. And it was public. So there was a journalist from the Journal Le Monde, and the text is here, and still on the internet. So I don't understand why so many people were surprised by the Snowden files, because it was already there. Okay, so now coming back to the problem of privacy is a long story. The first allusion about that is UK person Bentham, and he was speaking about the fact in the near future, for the general happiness, everything will be transparent and under surveillance. So there are already people two centuries ago wanting to have Google and Facebook and so on. Here is the way. So you see the central observation and all the people living it in case. Okay, so another problem. Maybe you don't know that we are speaking about the problem of surveillance by Snowden or the problem of Google, Facebook, and so on. But in fact, there was a bigger shock in the end of the 18th century. It was that box. It was the possibility of having a photo of everybody everywhere in the street. And at that time, you have to read the press, it was really a shock for everybody. We don't want that, it's impossible to continue to life, we have forget it and so on. Today you see that everywhere there are such a problem. But it was still the problem more than one century ago. The result was, in fact, a well-known paper from Harvard professor Brandeis and Warren,
saying we have to be careful, we have to do that in another way, and it is the beginning of the thinking about privacy. So today we need also people like this. But it's nothing new. It's redo and redo. Okay. Now, speaking again about Snowden, there was another person before, William Binet. It was really working for NSA for a long time. And after a few years, he was not happy with that in July 2012. It means 1 year before Snowden, he said the same. But it was not strongly enough, so people didn't read his declaration against the NSA, the public statement. So we have to read better the press and so on. Well, now, coming back in the old centuries, we have here a citation from La Rochefoucauld, 1650, 10 years after the well-known works of Fermat. Celui à qui vous dites secret devient maître de votre liberté. Nothing new, this is what we have today. Okay, now coming back to today, here is the view today about the IDA. IDA is the think tank from NSA and CIA. So we have a long time humans on the land, next on the sea, next recently on in the air and the space, and today we have the cyberspace embedded in all the domains. So cyberspace is everywhere, that is true, and so we have to think about that. For the land, there were colonies, pirates, corsairs, and so on, but it is the same. We are only at the beginning of the story, indeed. Here is another view of the cyberspace. Here is the correct one. Here we don't know, here people not telling, criminals and terrorists, deep web, and so on, internet. So you see that is the problem at the moment only for pirates and corsairs. Yes, here is a recent paper describing how NSA plans to infect billions of computers with malware. Using automated hacking engine. We are there. Not only from NSA, as an example. What is the situation today about attacks, intrusion, detection, defenses, and so on? What we know really well is the epidemic ones, virus, worms, and so on. It's very old. It's related also to phishing. But there are recently two other problems. The massive ones, and there is use for intrusion, and maybe we
in the near future of our cyber war. There are cyber wars today. And what we have today, and we have to be very careful about that, is about the target attack. There are many tools about that, many tools in the hands of many people. And the main point today is in really intrusion. Well, people are thinking about that. The main conferences about that is RED, and next one will be in Gothenburg, in Sweden. And as you see, it is the seventh international symposium. So it's not a young conference. People are thinking about intrusion for a long time. And here is maybe a coincidence. The first instance of this workshop about intrusion was, it's not a joke, in Louvain-la-Neuve. The international one, the big one. And it was organized by me. Not only, there was also Cardis and Ezorix together. And here is the first session of the first conference about intrusion. And as you see, there was Marc Dacier, former student for me, and me. Now working with Symantec Labs about intrusion. So beginning of the story is there. It was a very successful conference, and it was the beginning of the studies. Now, here is a plain coincidence. The last day, there was a panel, and the title was Intrusion Detection in the Lab. And I was in the panel. And it was September 16, 98. So let us remember September 16. Oh, well, okay, yes, there was attack. September 16, 15 years after. And it was also the day where the attack of Belgacom was published by the newspaper The Standard. So in the morning of that day, Standard published the first information about the attack of Belgacom, and I was attacked using fake LinkedIn links on the afternoon. And this attack was, there was only one instance. Coincidence, or maybe some state wanted to show his power, it is my hypothesis. Okay, so if you want to know more about my attack, by the way, it was only public on February 1st this year, so it was, 3 months ago, on leak. It was published by The Standard again, by the same journalist. And there were many followings of that. And here is the link where everything I know, we know today, are published. Well, and it was the beginning of, for me, what about industrial espionage and targeted attacks. And here you have a paper published by people from Symantec about that 2 years ago at the RED conference, the main one I just spoke. And what they show is the following one.
is the timeline here in 2011, sorry. And what is true is that there are attacks using, for instance, emails, so it's like phishing, but there are many targets. And it's only for espionage and surveillance. So it's not classical attacks like we see with virus and worms. So at least for 2 years, thanks to the research, we know about such attacks. And the tools, again, the defenses are coming, but not so fast. Well, continue. Here is the view of Google in 2084. I think that the date is found later. It's not later. And it was published by the New York Times in 2005. So it's a very old slide drawing, and you see that you can do Google search, not only feeling lucky, but also paranoid, and about your past, your present, and your future, and so on, everything. Satellite photos. I think that we are close to that today. And we have to—we need to know a little bit more where are the spies and the attacks. Here you see the main building of NSA, the bigger computer is there. There are three floors here. Each one breaking keys and passwords and so on, and we can estimate more or less the computing power because they are using 150 megawatt. So it's more or less 1 billion of core if you are using a very new technology. Here is the main memory, it's in Utah, of the NSA. Oh, sorry, I am wrong here. It's the new headquarter of Apple, sorry. So, am I correct? No, this one is the UK equivalent of NSA. And here is the equivalent in France, DGSE. There, they have a big computer. They are using about 5 megawatt. So about 50 million of core. It's the second computer in Europe there. The first one is there. And it's not public. It's not in the list, you know. Well, I know that is because Christophe Barbier said that 3 years ago, and other things like this. One thing he said that TLS is equivalent to 40 bits of security. Maybe you remember another attack related to some not so strong random generators, and I think he was thinking about. So no, let us continue. As you know, there are sometimes open days at such location. Here is the main operation center in US. As you see, it's nearly Hollywood. It's Hollywood. But it is. No, the equivalent in France. There was an open door at the ANSI 2 months ago. Here is a public photo. I know you are asking
Belgium. No. It's at the FCC. But it is. So in Belgium, we are improving a little bit. But the story is that, I'm sorry, I'm not so, like 2 years ago, at IBPT, working about telecommunication in Belgium, there was only one person, not today, the day is better, one person working about it. So you see that in Belgium we are not in a good position. And now, maybe the last thing I have to say today, maybe we have to think where we are in that situation. At the beginning, cryptography was only for military and diplomat uses. Espionage was every time everywhere. And one century ago, the first international war, it was the beginning for the military use, at least, more or less, of wireless communication. So we need absolutely to use cryptography, and it was also the beginning of storm interception. During the next war, there was, if you will, the attack by UK and Bletchley of Enigma, or other things like this, and it is there, the beginning of the story. Here is the computer they use at that time, again the Lorenz German system, so it's Colossus. And in fact, it was a big secret for USA and UK. Why? Because many people continued to use Enigma and Lorenz in the world, including in Belgium, till, I don't know, the 70s, maybe at the beginning of the 80s, and in Africa, I think that was nearly till the end of the last century. So they wanted to continue to break that. And for instance, it's a totally new information from yesterday on the BBC. There was two Colossus. If you read about bombs and Colossus, you read that everything was broken, not to be sure, not to be used, just after the Second World War. That's not true. At least two Colossus was continuing for 30 years to continue to break communication, including the communication of Belgium. Okay. What we know also 2 years ago, the so-called data encryption standard, DES, was published as the standard in 1977. And what many people were thinking, that there is a backdoor there. We don't know today. But what we know today, that IBM used 20 man-years for the design, the same more or less for the test, including test, electromagnetic test. It is also published a few months ago. And NSA gave a talk at the RSA conference 3 years ago, and they explained many interesting things. The only thing is that they use 55 man-years only for a small part of the DES, the so-called S-boxes. It means that only for one small part, they use more man-years than in IBM. And what they said is that we don't know finally if there is a backdoor or not, but the possibility is very strong. And here is the continuation. There was the so-called liberalization of the cryptography in US. The final act was in 1989. And maybe you don't know that, but the
The main supporting person was John Kerry. Yes, the one who you know. John Kerry opens the door, really, and thinks about the situation about PGP a few years before. And that liberalization changed the rules and the attack. Now, everybody is using cryptography, more or less, and strong cryptography. Strong doesn't mean that it's impossible to break. It means it is impossible for the Secret Service to break everything because they need maybe 1 minute for one key, and there are many people 1 minute using the computing power. So in one day, they can break 1,000 keys or something like this, and not 1 million of keys or more. So the rules have changed, and so they are continuing not yet to attack the link, somewhere the content, but now they attack the sender and the receiver before encryption and after encryption. So we are, before it was the link attack, today we are at the point attack. And so the program of NSA, and I think that it was written at least 15 years ago, is to use everything. And at that time, it was also the beginning of the social networks, more or less. Alta Vista was there, the GSM was coming, Wi-Fi was at the first stage. There was also the weakening of standard. And it explained the massive espionage and the target attacks. Okay, so I nearly finished my talk, what I wanted to give today. So I will not give the other part because it's for another time. What next is my last step. We need, I am speaking here for the research, new model for security, taking into account that there are many backdoors. We need more flexibility protocols, possibility of changing everything, and with security proof. We need to use better the open source community. It's a new field of research, a new action for citizens. Okay, last point. Here is a bonus. I am organizing a conference end of October in San Francisco. The name is Catacrypt. There is a call. There is a committee. And all the people you know, you don't know, in the field of research are there. It means Diffie, Hellman, Merkel, Rivest, and other one are there on the committee. So it's the bigger committee in cryptography, I think, from today. And so you are welcome to participate. I know that it's in San Francisco, sorry. The next year it will be in France, in Belgium, or something like this, if there are proposals. Okay, thank you very much. Thank you, Mr. Kiskatter, for this nice presentation. Some encrypted information for me. Yes, I'm sure. Yes, sorry, I have to take into account the public and the audience. Great. I think I have now a problem with the microphone, seemingly. Now it's okay. Thank you, in name of Unisys, for this nice presentation. Okay, thank you very much. Chocolate. Okay, thank you. Always good to have it. So I don't know, it's a good moment now for questions from you. You've seen there are many slides that we skipped, seemingly. It was only about the backdoors. Okay. So I'm sure during networking session, there will be a good opportunity to talk to Mr. Kiskatter about those backdoors, eventually other topics that you would be interested in. In the meantime, who has a question, who wants to start with the question? Don't be shy. Yeah. Bonjour.
Sarah Godard, journaliste à l'Écho. On parle plus souvent de l'Internet des objets. On sait maintenant qu'il est possible d'hacker un pacemaker. On l'a vu avec le Verstucknext, il était possible carrément d'hacker des réseaux électriques. Donc il y a vraiment un enjeu de sécurité majeur là-dessus. Est-ce que vous pensez que les premiers objets connectés comme les Google Glass prennent suffisamment en compte ces risques? Non. Le problème de la sécurité, le problème de la sécurité, c'est que bien souvent, ça vient après. Et quand ça vient au début de la conception dans un projet, d'un prototype, etc., peut-être bien même qu'on a de bonnes volontés, mais très vite on est pris par le temps et c'est la sécurité qu'on vire la première. Je ne dis pas ça comme ça en théorie. J'ai été consulté pour 5-6 startups en Belgique récemment, depuis le mois de septembre l'an passé environ, et toutes ont fait ce que je viens de dire. Donc ça veut dire qu'effectivement, et la plupart, c'est pour ça qu'ils m'avaient pris, avaient imaginé dans leur rêve de mettre de la sécurité dès le début, et puis à cause de problèmes de temps, à cause de problèmes de manpower, à cause de problèmes de financement aussi, la finance était trop basse, et bien la première chose qu'on a virée, c'est effectivement la sécurité. Donc ça c'est un problème, donc que faire? En plus de ça, comme j'ai dit, les problèmes d'OpenSSL, il n'y a pas que OpenSSL qui a un problème. Donc ces logiciels aujourd'hui, il n'y a pas de culture de sécurité globalement dans l'open source. Dans les sociétés, ça dépend, mais dans les open source, il n'y a pratiquement pas de culture de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu qui savent ce que c'est un vrai générateur aléatoire cryptographique. Ça, c'est très clair, malheureusement. Il y en a aussi très peu qui savent que c'est une preuve de sécurité et les exigences que ça a. Si vous voulez faire la preuve de la sécurité d'un grand logiciel, bah, s'il est très grand, c'est déjà pas possible. S'il est de taille raisonnable, ça veut dire que ça prend des mois. Alors, je sais pas, donc, j'ai parlé de Earthbleak, là. Donc ça date la publication du 2 avril, on est le 6 mai. La première semaine, il y a eu 30 modifications qui ont été faites dans OpenSSL. Ça veut dire, pour lesquelles il y a eu un commitment, donc ça veut dire que c'est la version nouvelle publiée, mise sur le web. Pour un chercheur en sécurité informatique et qui pense à des preuves, c'est une hérésie totale. Il est fort possible que ces 30 modifications ont introduit plus de problèmes qu'ils n'en ont résolu. Nous ne savons pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on travaille normalement. Et c'est bien un problème de culture. Les gens ne savent pas ça. Alors bon, pourquoi est-ce que je raconte ça? Dans l'Internet des objets, c'est encore pire, parce que là, ils se doutent même pas qu'il y a un problème de sécurité. Parce que c'est petit, parce que les gens ne vont jamais attaquer ça, et, etc. Mais non. Mais si la sécurité vient systématiquement après, alors qu'on est dans une phase où il y a de plus en plus de données sur Internet, des données de plus en plus sensibles, s'il ne faudrait pas freiner justement ce flux de données qu'on a sur Internet. Oui, c'est une réflexion freinée. Mais freinée, ça veut dire quoi? Allez, pensez par exemple à Facebook ou Google, un exemple qui est dans le software. Pourquoi ça s'est passé aux États-Unis et pas en Europe? Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est le financement, vous trouvez plus facilement de l'argent. Mais il y a une autre raison qui est beaucoup plus subtile et qui est liée à la culture européenne. La culture européenne, vous allez dire, oui, mais non, mais si je fais Google, je vais commencer à respecter la vie privée. Je vais commencer à être compatible avec toute la réglementation qui existe, etc. Il y en a plus sur ce sujet-là en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, voilà pourquoi Google et Facebook ont commencé, parce qu'on s'en fiche complètement des problèmes de sécurité, des problèmes de vie privée, etc. Donc, aucun complexe. Je n'ai pas dit que c'était très bien. Loin de là. Mais c'est comme ça la vie.
Et donc, je ne sais pas quoi faire, effectivement, à part lutter ou a posteriori, parce qu'on ne sait pas d'où ça va venir. Est-ce que si je vous dis de ne pas utiliser Google, vous allez le faire, c'est pas possible. Moi, je peux vous donner plein d'exemples merveilleux où j'ai fait plein de choses. Écoutez, j'ai fait un test récemment, rien que sur moi, sur mon nom, du nombre de liens que j'avais sur 10 navigateurs, enfin pas navigateurs, pardon, 10 systèmes de recherche. Ça va de 1 à 100 à peu près. Donc ça veut dire que c'est quasiment inutilisable, bien souvent. Même Bing. Donc, tout dépend si vous voulez chercher le web avec une petite cuillère ou avec une pelleteuse, quoi, c'est tout. I would like, Sorry for that reflection. One of the last questions. Okay, I have many hands on. He was first, then second one, and three if we have still time. J'ai entendu une de vos conférences il y a quand même déjà un certain nombre d'années où vous donniez les durées de vie pour les algorithmes de chiffrement que l'on utilise et vous parliez aussi du fait que l'on avait progressivement augmenté la longueur des clés de chiffrement. Quelle est votre perception actuelle? Parce que bon, notre carte d'identité belge, on a un algorithme qui est ce qu'il est, on a une clé qui est bien définie. Quelle est la durée de vie que l'on peut espérer? Ils ont déjà modifié au fur et à mesure des dernières années, je dirais, les solutions qu'ils utilisaient. Combien d'années d'avance avons-nous pour l'instant? Mais ça dépend dans quel domaine. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Aujourd'hui, on utilise de plus en plus longtemps les algorithmes cryptographiques. Et les longueurs de clés posent problème aussi. Pourquoi? C'est ce que j'ai fait allusion dans le dernier transparent de mes conclusions, c'est qu'il y a un manque de flexibilité totale dans les standards. En voulant changer d'algorithme, changer la longueur des clés, mais on découvre qu'il y a plein de limites cachées qui ne sont sans doute pas volontaires, mais qui font que tout est très lourd. Donc je connais plein d'exemples de sociétés, je ne vous donnerai pas les noms ici, mais 30, qui me consultent, enfin plein, quelques-unes quand même, qui me consultent justement, oui, on aimerait bien changer, mais c'est trop difficile, combien de temps ça va durer pour qu'on ne change pas? C'est le genre de question que plusieurs sociétés m'ont posé récemment. C'est très inquiétant, mais c'est lié aux contraintes opérationnelles, c'est lié... Alors, pire que ça, donc j'ai été à un colloque l'année passée, au mois de janvier, organisé par la NSA, et là, il y avait quelqu'un de très haut placé chez Intel. Donc là, je parle de hardware. Alors, peut-être que vous savez ou vous ne savez pas, je parle en général, pardon, ouais. On peut mettre à jour les processeurs à distance, en utilisant une technologie qui ressemble au FPGA, cette technique. Alors pour éviter que n'importe qui change les coprocesseurs en question, il y a effectivement une clé publique de vérification, c'est basé sur le RSA dans le cas d'Intel, et bien cette clé, sur beaucoup de processeurs utilisés aujourd'hui, elle est de 512 bits, elle est publique. Si vous réussissez à la factoriser, à la briser, eh bien, vous pouvez modifier une partie non négligeable des processeurs sur Internet. Bon, c'est peut-être pas très légal, hein, c'est bien. Et cette clé-là, il faut que quelques heures sur un gros ordinateur pour la casser. Bon, donc voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen de la changer. Donc, il faudrait, la seule façon de changer une clé, dans beaucoup de cas, c'est de mettre à la poubelle le hardware. Voilà un exemple qui a été donné par Intel. Alors vous allez me dire, le problème dans le software. Ben là, il y avait quelqu'un de Microsoft, toujours au même colloque, qui a dit, vous savez, dans tel système, ce n'était pas Windows 8, c'était un peu avant, eh ben, on a fait il n'y a pas longtemps une recherche pour voir où on utilisait des algorithmes. Et on a découvert qu'à 60 endroits, on employait un algorithme cassé qu'on était incapable de changer. Voilà où on en est. Je suppose que ça n'a pas beaucoup changé depuis l'an passé. L'operating system dont je parle est toujours utilisé. Donc, conclusion, quand je dis flexibilité, j'avais des exemples en tête.
Merci pour la question, ça me permet d'un peu préciser ce à quoi je parle. Donc on utilise de mauvais outils et on n'est pas capable de les entretenir parce qu'ils sont verrouillés. Alors, j'ai quand même une conclusion à tout ce que je viens de dire, parce que c'est une vue très pessimiste ou parano, comme vous voulez, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une vision. Ce qui est très curieux, c'est que finalement, on est très résistant malgré tout. Malgré toutes ces failles, malgré toutes ces attaques, on n'est pas vraiment par terre. Et ça, c'est une réflexion qui m'interpelle. Pourquoi ? Est-ce que la sécurité est si importante ? S'il n'y a pas de sécurité, tout serait par terre. Mais quand la sécurité est par terre, tout n'est pas par terre. C'est quand même très curieux et c'est assez paradoxal. Et je crois que c'est aussi un domaine où il faudra beaucoup réfléchir. Ça veut dire quoi pour le futur de la sécurité ? C'est que la vision que l'on a du château fort, je parle bien des VPN, etc., château fort, genre Carcassonne ou que sais-je, c'est fini. Les attaquants sont à l'intérieur. Donc on est dans le domaine, je dirais, du terrorisme urbain. Et la seule chose qu'il faut faire, s'en tenir compte et ne pas dire « ils sont à l'extérieur, je résiste et tout ». Non, ils sont à l'intérieur et je dois résister quand même. C'est un grand changement de paradigme pour employer les grands mots. Et il y a moyen de faire ça, il y a moyen de faire ça, mais ça change beaucoup de choses dans la conception des systèmes. Dernière question. Hikken de Mans, Data News. Dans une discussion avec le professeur Demchak, du US Naval Lab, justement, elle vient de dire quelque chose qui peut être un peu en contradiction avec ça, parce qu'elle faisait référence aux nécessités d'avoir une sorte de nouvelle paix de Westphalie. La nouvelle Westphalie, c'était littéralement une sorte de souveraineté digitale d'un pays, qu'il faut effectivement déterminer l'espace, le territoire d'un pays digital, effectivement effectuer une défense, même peut-être créer des alliances avec d'autres pays, et justement créer justement une sorte de défense pour la nation digitale, d'une sorte. Oui, mais c'est un peu la réflexion du début, je disais qu'on était qu'autant des colonies, ou autant des corsaires et des pirates. On doit réfléchir effectivement à la façon de se défendre, tout en gardant l'ouverture. Il y a beaucoup de discussions là-dessus d'Internet. Effectivement, ce n'est pas facile d'imaginer ce qui se passe actuellement. Enfin, ce n'est pas facile, je veux dire, de garder l'ouverture d'Internet et ce qui est en train de se passer actuellement. C'est ça que je voulais dire. Chaque pays actuellement se défend. La France a son unité d'attaque et de défense, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la dernière fois qu'on a fait un recensement, on a trouvé 45 pays dans le monde qui avaient une unité de défense et peut-être bien d'attaque. La Belgique n'a pas d'unité d'attaque que je sache, mais si elle a une armée, elle va devoir un jour aussi imaginer l'attaque armée du côté cybersécurité. Donc on est dans un problème où on a des anciennes solutions à des nouveaux problèmes par nation. Vous parlez d'alliance. Oui, rien n'est simple. Peu importe l'exacte vérité dans l'attaque, les attaques qui ont eu lieu contre Belgacom, etc., ben, ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que nos meilleurs ennemis sont aussi nos meilleurs ennemis. Et comment faire ? Alors, est-ce qu'il y a une solution à ça ? Ben, je crois qu'il faudrait peut-être réfléchir à une direction du côté de l'ONU, même si l'ONU est quelque chose quand même qui est assez inefficient, inefficace, ou autre chose en relation peut-être avec un renforcement problématique, mais quand même très nécessaire, du mouvement open source. C'est pas le seul. Peut-être faire un autre Internet des citoyens et un Internet des citoyens. Oui, je ne sais pas. Voilà. C'est une très bonne conclusion. Merci, M. Kiskater. De toute façon, vous aurez l'occasion encore, M. Kiskater ne part pas. Je ne pars pas. C'est assez tous, en tout cas, je l'espère. Je m'en fous pas, non. Donc, je voulais vous remercier pour votre temps et aussi votre intérêt pour cette première session pour Unisys Connect. Nous aurons le plaisir de vous envoyer un petit email avec un petit survey de trois questions. Aussi,
On a créé un groupe LinkedIn pour les Unisys Connect, dont vous pouvez être membre et ainsi être averti des prochaines sessions. D'ailleurs, la prochaine session aura lieu le mardi 3 juin, donc revenez les premiers mardis du mois, sauf le mois d'août, il y aura une session, ce sera Olivier Bogart qui viendra présenter sur les fraudes on social media, justement, un sujet aussi très très intéressant. Voilà, donc c'est le moment, je vous invite au lunch et au chouette networking, donc enjoy the lunch. Bien, je crois que je vais dire. Ah. Bon, puisque vous accueillez la prochaine fois Olivier Bogart, c'est un ami, donc je peux vous annoncer qu'au mois de... Envoyez-moi un email, mais qu'au mois d'octobre, Olivier Bogart et moi-même, ensemble, à Louvain-la-Neuve, on fera un grand événement de sécurité aussi. Super. Bravo, merci. Merci beaucoup.